reparti pour faire demi-tour. Salut les chéris. Et oui, comme tous les jours où on part en voyage sur la route, je suis au volant et là... Pardon. Toujours pareil, toujours moi. Et voilà, toujours moi qui parle la deuxième. Mais c'est normal. Et là, qu'est-ce que j'attends? Ben, j'attends simplement que le monsieur ait pris de l'eau devant moi pour partir avec mon plein d'eau. J'ai fait la vidange d'eau. Et puis après, je vais partir sur les routes allemandes. Il y a un abonné qui nous a appelé les Amazones. Les Amazones, ouais. Ça doit plaire. Ouais, ça doit être ça. Ça m'amuse beaucoup aussi. Et puis comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi on a toujours 15 000 trucs à faire des compares. Ouais. Alors bon, Krissa et moi, bon, pareil, pour les eaux propres aux salles, on va dire. Krissa doit faire le plein de gaz. Ouais, de GPL. Je ne sais pas si je vais réussir, je verrai bien. On va voir. Ouais. Après quelques petites courses chez Lidl, moi j'aimerais bien voir magasin de chaussures et magasin bricolage. Waouh, ouais. Tout ça avant d'arriver au spot. Ouais. Ah, ça va être chouette. Une belle journée de chaleur, de route et de plein de choses. Oh, il fait pas si chaud que ça, il fait bon là. Ouais, il fait bon là. Il fait bon, il y a un peu d'air. Hein. Ils ont prévu 31 degrés, mais comme il y a un peu d'air, c'est supportable. Ouais. Dans 150 mètres, prendre à gauche sur Vandenerstrasse. Et voilà, Peter Sagan aura été une belle étape. On s'est bien fait plaisir. Ok, Madame GPS. Je pense que tu reconnais la petite rue qu'on a prise à pied. Ben là, j'apprends en camping-car. Oui, oui, ça passe, ça passe. Ah, mon amoureux! Regarde, il y a mon amoureux au bord de la route. Au revoir! Au revoir, mon amoureux! Nous aurons passé de bons moments ensemble. Vraiment une jolie petite ville. Ça sautille parce qu'il y a des pavés comme tu le vois. Allez, à une autre fois, Peter Sagan. Donc, destination et Espelkamp. Qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre la route. Avec Krissa, on se disait un truc, c'est que quand on reste un petit peu longtemps, on va dire, voilà, là on est resté 2 semaines à Peter Sagan, quelque part, je sais pas, on a toutes les deux la même sensation, c'est de, pas de s'encrouter, mais bon, presque. Et après, le juste avant le départ, c'est toujours un peu, je sais pas, c'est pas, voilà, quoi, il y a 15 000 trucs à faire. Voilà, là c'était le débranchement de l'électricité alors que je m'en suis même pas trop servi. Allez, l'eau, machin. C'est vrai qu'il y a plein de choses à préparer avant le départ, quoi. Tu peux pas démarrer, tourner la clé dans le moteur et démarrer vite fait comme ça. Ben non, parce que en plus quand on s'installe pour 2 semaines comme ça. Ben, je vois Krissa, elle est pareil que moi. Y a plein de bazar dans les maisons. Et juste avant de partir, ben oui, il faut tout bien ranger, tout bien remballer. Donc c'est pour ça que ça limite un peu les volumes. C'est là que tu te dis, bon, si j'ai pas trop à ranger, c'est que j'ai été sérieuse pendant les 2 semaines, quoi. Bon, en tout cas, la route démarre super bien. On est samedi. Il fait beau, je suis contente de rouler, je suis contente que vous nous regardiez, que ça vous plaise, qu'on vous apporte le sourire. Ça me fait super plaisir qu'on vous apporte le sourire. Ça, c'est sympa, j'adore ça. D'une façon tout à fait naturelle.
Vous n'avez... les deux Amazones, tu m'as fait beaucoup rire quand j'ai vu ça, excuse-moi, je ne me souviens pas de ton prénom, que ça nous allait bien les deux Amazones. J'aime bien parce que vous nous trouvez plein de noms, moi la Maïté, Chrissa, je ne me souviens plus quel est son surnom, si quelqu'un lui a trouvé un autre surnom. J'ai trouvé ça très très rigolo, enfin moi ça me fait beaucoup rire, moi je me moque beaucoup de moi-même et ça ne me gêne pas si on se moque, bien sûr gentiment de moi aussi. Alors la Maïté, là pour l'instant elle fait pas de la cuisine, elle conduit. Ça y est, je suis à Espelkamp. Et maintenant, je vais vraiment suivre Madame GPS pour arriver jusqu'au premier point à Lidl. Ouais, je vais commencer par Lidl. Cassie a besoin de litière, elle a besoin de croquettes. Oh, elle a besoin de petits gâteaux. Ouh, faut pas que je dise trop fort ce mot, parce que sinon, elle va m'en réclamer. Et elle a plus de petits gâteaux. En tout cas, arrivée très verdoyante. Alors, des fois, on a des mauvaises surprises avec les supermarchés, etc. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises. C'est-à-dire que le parking est souterrain. Et carrément souterrain, ou alors le parking est tout petit, alors vraiment microscopique, donc on ne peut pas s'arrêter. Alors maintenant, je fais attention. Je regarde les photos carrément sur Google pour voir si c'est un parking où je vais pouvoir placer Coquelicot ou pas, quoi. Attends, là, j'ai vraiment bien, bien ralenti. Oui, ça fait un bruit de vitesse parce que c'est limité à 30 et je te parlais en même temps. Et j'aime pas trop dépasser les limites. Donc, c'est bien, comme ça, tu as bien le temps de voir toi aussi. Tu vois, à la même vitesse que moi, quand j'arrive quelque part, que je ne connais pas, et je regarde dans tous les sens, voilà, pour faire connaissance un petit peu. Là, je roule même à 30-35. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur Brillouerstrasse. Ah, c'est chouette les volets, toutes les couleurs là, regarde. Oui, je sais. Je me contente de très très peu. Ah, là aussi il y a des statues. Ah non, c'est un autocollant. Alors, regardons vite fait. Voilà. Un endroit encore avec plein de terrasses. Dans 100 mètres, continuez tous droit. Attends, j'essaie de l'arrêter. Continuez, non, j'y arrive tout pas. Droit, puis tournez à gauche. Voilà. Ça y est, voilà le Lidl. Ouh là là, oui, on est samedi, il y a du monde. Toi, dans ces cas-là, je sais qu'il y en a qui ont très très peur. Donc c'est pour ça que je te fais voir en direct comment... Ben, j'essaie de m'en sortir au mieux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde de partout. Pour le moment, je ne vois pas une seule place disponible pour Coquelicot. Je vais faire un petit tour, on va voir. Là, ça va être trop juste. Non, parce que se garer en marche arrière, c'est bien. Mais il faut penser quand même derrière. Et c'est pas évident, pas évident du tout.
crois que j'ai carrément me garer de l'autre côté. Je vois pas du tout où je peux aller. Alors bien sûr, on est samedi, c'est pas le meilleur jour. J'ai peut-être essayé vers la gauche. Vas-y, vas-y. Attends, je crois que je vois deux places de libre sur la gauche. Peut-être me faire un créneau. Bon, comme tu le vois, je suis garée en biais. C'est pas super. Attends, je vais te montrer. En tout cas, c'est parfaitement tombé. Regarde, je suis vraiment mal garée. Ça tombe bien. Pourquoi ? Pour te montrer un peu, voilà, les limites. Donc, les limites, c'est-à-dire que là, bon, moi, j'ai pas la force, le temps et tout. Enfin, bon, la patience de faire un vrai, vrai créneau. Là, je prends trois places. Derrière, on peut se garer. Six quarts derrière, c'est sûr, je peux plus sortir. Mais bon, voilà. C'est rare, rare que ça m'arrive de devoir me garer aussi mal. Mais avec le porte-à-faux, etc., des fois, on peut vraiment pas se garer. Là, ça se vide un peu. J'aurais pu me mettre en marche arrière et mettre le porte-à-faux de l'autre côté. Tant pis, c'est fait, c'est fait. Voilà. Alors, on a fait le tour avec Christa. Christa m'a rejoint. Moi, je suis allée à Lidl. Elle était prête. Ensuite, je suis allée m'acheter quand même une paire de tennis chez My Shoes. Chez NKD, on a acheté des polaires. Je me suis acheté une petite robe pour rester comme ça à traîner. Et quand Chrissa est arrivée, je vais trouver une place là. Elle est un peu moins mal garée que moi, surtout. Voilà, on a fait un peu tous les magasins. Pas tous, mais surtout de petites choses, de bricolage. Je me suis acheté aussi du thé, parce que j'aime bien boire du thé froid, enfin, toi, des trucs un peu... On a acheté du polaire pour faire des rideaux, pour les jours froids, enfin, on te montrera tout ça. Allez, j'y vais, Chrissa veut absolument aller dans le magasin de bricolage. Moi, j'ai pas envie, là, c'est bon, j'ai ma dose de magasin. Elle me racontera, moi, je pars au bord du lac. Bon, d'un côté, je suis bien contente que Chrissa soit partie au magasin de bricolage. On a vu ensemble, tranquillement, ce qu'on avait envie, suite à nos réflexions, suite à vos commentaires, vos idées. Maintenant, on sait ce qu'on a envie. Donc, c'est pour ça, bon, là, ça y est, on a trouvé des polaires vraiment bon marché. Donc, on s'en est pris toutes les deux. On a vidé le rayon, parce que c'était des polaires qui restaient dans le magasin. On a vidé le rayon, carrément. Ça va nous servir à faire des rideaux, chacune chez soi. Chrissa, en plus, a plus de fenêtres que moi. Elle a plus d'étendue de fenêtres que moi. Donc, faut pas se louper. On pense aux lanterneaux aussi, hein, bien évidemment. Parce que la chaleur monte et les lanterneaux, même s'ils sont double vitrage, un double vitrage chez moi, hein, je mettrai quand même du polaire devant. Donc là j'ai environ, il me reste quoi, 30 km même pas à faire pour arriver au bord du lac. Normalement, c'est une aire de camping-car gratuite. On ne sait pas de quoi à quoi on s'attend. On verra. Comme d'habitude, comme j'arrive souvent en premier, je fais les repérages, je vois de quoi il en retourne. Et éventuellement, j'envoie vite un SMS ou un WhatsApp à Chrissa pour lui dire « c'est pas bon, on dégage ». Ou c'est bon. Non, quand c'est bon, je lui dis rien.
Donc quand c'est bon, je lui dis rien, elle vient. Et puis j'essaie de me mettre en fonction pour que ce soit agréable pour nous deux. On va voir ça immédiatement. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir dû me garer comme ça, là, un petit peu n'importe comment, parce que j'espère que ça rassure vraiment les personnes qui n'ont pas l'habitude. Parce que oui, des fois, ben voilà, on peut pas assurer, quoi. On peut pas. Hein. Quand il n'y a pas le volume, là, tu as vu juste devant, si je m'étais garée avec mon porte-à-faux derrière, ben, j'aurais touché. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, donc pensez-y quand vous voulez faire des courses dans des magasins, même si ce sont de type Lidl, Intermarché ou autre, des fois ils ont des parkings qui sont vraiment petits. Alors autant il y en a beaucoup qui ont prévu des places camping-car, autant il y en a beaucoup aussi qui n'ont rien prévu. Donc faites attention. Moi je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de regarder les photos sur votre téléphone, sur votre Google. On voit bien les photos souvent hein, des parkings, ça nous donne une idée. Parce que moi, on est tombé sur des parkings qui étaient souterrains, des parkings qui étaient complètement, tu sais, abrités là, avec des espèces de toits, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, s'avancer. Donc, ben, on ne pouvait pas passer, etc., etc. Hein. Donc, à prévoir, le petit truc quand même à prévoir. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais à prévoir quand même un petit peu avant. Et si jamais tu arrives sur place que ce n'est pas bon, bah nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises sur des Lidl, à Fribourg par exemple, c'était des Lidl avec des parkings souterrains. Bon, ben on s'est garé plus loin et puis on a marché. Ça aussi, c'est possible. Hein. D'où le caddie, on est bien contente d'avoir le caddie de course. Et, comme ça, parce que surtout quand j'achète de la litière, ça fait au moins 7-8 kilos. Je suis contente d'avoir le caddie si je dois beaucoup marcher. Voilà, ça c'était les précisions par rapport aux courses qui n'est pas des sont pas des précisions anodines, parce qu'après tout, on en fait quand même souvent, mine de rien.
vraiment, vraiment trop de monde. Moi, ça ne me plaît pas du tout. On est entassé. Alors oui, c'est joli. Oui, il y a le lac à côté. Mais vraiment trop de monde. Non, je préfère partir ailleurs. Ça, là, je peux vraiment, vraiment pas lâcher Cassie. Ça va être de la folie. Non, mais là, il y avait vraiment... Il y avait vraiment trop de monde. C'était entassé les uns sous les autres. C'est vraiment pour dire d'être au bord du lac. Il y a un restaurant, donc ça prend une place phénoménale le long du lac, puisqu'on est garé de l'autre côté du restaurant, avec tout ce que ça implique, quoi, l'intendance, les poubelles, etc. Donc, non. J'ai trouvé un endroit vite fait, là, pas loin. Parce qu'il y en a une qui commence vraiment à s'impatienter, c'est Cassie. Bien sûr, j'ai prévenu Chrissa, vite. C'est pas la peine qu'elle fasse la route jusque-là. J'ai trouvé un autre endroit. Normalement, ça va être spacieux, voilà, pour y passer la nuit, éventuellement jusqu'à lundi matin, pour aller après dans les magasins, du côté des magasins de bricolage de Osnabrück. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Ça nous ira très bien, quoi. Bon, allez, je continue la route. J'en ai pour 9 minutes. Ouais, parce que je vais trouver un truc plus sympa, mais c'était un peu plus loin. Donc, je pense que là, ça suffit. Il est 17h bon poids. Donc, il est temps qu'on se pose tranquille tous les quatre. Hein, qu'on aille trottiner tous les quatre et que les deux maisons à roulettes se reposent. Voilà, on arrive à Dame, nouvel endroit que j'ai trouvé pour s'arrêter pour le week-end. On va voir. Ah ben c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose puisque là, c'est dans le centre, finalement d'une petite ville. Hein. Et je vois qu'il y a pas mal... Il y a pas mal de choses un peu partout. Allez. Ah, j'aime bien les feux allemands, moi. Non, il y a d'autres pays comme ça. Ah merde, tout de suite. Pardon. Oula. Que je me trompe pas. Allez-y. Voilà, autant faire passer les voitures. Je sais pas si tu l'as vu dans la caméra. C'est bon, je m'occupe quand même plus de conduire. Je m'occupe quand même plus de conduire que de la caméra. Puis le micro était dans l'autre sens. Ah, j'ai même pas si tu m'as entendu. Oui, c'est pas grave, j'en ai pas au bord du lac. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement de monde. On avait surtout envie de changer d'endroit, de bouger. Puis c'est vrai qu'à force de vous parler des préparatifs d'hiver, on a envie de se lancer quand même petit à petit, quoi. Allez, on y va doucement. Impeccable. Ouais, je continue. Ouais, c'est vraiment pas le village, c'est quand même un peu plus grand qu'un village. Dans 300 mètres, prendre à droite sur Amstadt Museum. C'est même pas mal, hein. Toujours beaucoup de terrasses, hein, très sympa. Où est-ce qu'il m'emmène? Prendre à droite sur Amstadt Museum, puis votre destination se trouvera sur la gauche. C'est là, oui, c'est là. Votre destination se trouve sur la gauche.
Voilà, c'est là, un grand, grand espace, un grand, grand parking. Alors là, on va même pas savoir où se mettre tellement il y a de la place. Tu veux sortir, Cassie? Voilà, allez. Enfin, elle va pouvoir sortir. Ah, je me pousse. Oui, oui, oui. Allez, va. C'est moins joli que sous les arbres, mais au moins on a de l'espace. Et puis là, je peux la lâcher. Là, j'ai pas du tout peur parce que c'est un très, très grand parking. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Alors là, il y a de l'espace, hein. Mais je pense que là-bas, on peut aller se balader. J'ai vu déjà. Oui, voilà, où les gens y reviennent. Tu vois, il y a de l'espace. Hein. Bon, pour une nuit, éventuellement, ça va. Ça va le faire. Et là, Christa pourrait se mettre très, très, très facilement. Ça va, Cassie? Ouais, ça va. Elle a la queue en l'air, elle est contente. Voilà, Christa, elle a tout à fait compris. C'est ça, il n'y a pas besoin d'explication. Elle se met, elle se pose. Elle pose même pas de questions. J'adore. On se comprend. C'est parfait. Là, comme d'habitude, elle fait tourner un peu le moteur. On fait toujours tourner le moteur un petit peu avant, un petit peu après. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour le moteur. Ça fait du bien pour tout. Voilà. Donc, un petit réflexe à prendre avant le départ, après avoir roulé. On laisse tourner un petit peu le moteur. Ça fait du bien. Nous allons avoir la confirmation de Madame Christa. Absolument. Et puis, il y a une autre raison. Je crois que je vais faire demi-tour parce que je penche trop vers l'avant. Ben voilà. Tout simplement. C'est voilà. Pas grave. On ne sera pas porte à porte. Ne vous inquiétez pas. Oh, c'est bah... pas la mort du petit cheval. Hein. Oh, purée. Ni du grand cheval. Non. Il y a un autre endroit qui me plaît un petit peu plus juste, à côté un petit peu plus caché. En face. Mais non, un petit peu caché. Mais j'ai un petit peu peur que ce soit réservé quand même au cinéma ou autre, au bowling. On va aller voir quand même. On va aller voir. Tout de suite. On va aller voir. Allez, après analyse approfondie, vote à l'unanimité entre Christa et Ambre. Ambre et Christa, nous avons bougé. Mais qu'est-ce qu'on a là? Mais oui, un Foxy. Et là, on a quoi? Un petit domino. Voilà. Mon petit vieux. Le petit vieux. Et là, on a une coquine. Ouais. Hein? Ouais. Parce que je l'attendais bêtement où je m'étais garée. Voilà, Coquelicot à côté, enfin. Et mademoiselle, donc, je m'étais garée là-bas au bout, où vous avez vu au début. Christa, en attendant que Cassie revienne, bah, s'est mise là. Sur l'herbe, et mademoiselle Cassie était perdue. Elle est revenue vers Foxy, vers Christa. Oh là 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 là, et voilà. Et maintenant, elle se prend pour une vache, elle broute de l'herbe. Qu'est-ce que tu lui dis, Domino? Ah ouais, non, mais là, elle est vexée, elle est fâchée parce que je la crie pour Elle était soulevée, je l'ai portée. Elle aimait pas trop. Ah, elle me fait la non, peine. Elle était pas très très contente. Elle me l'a dit, hein, mais bon, j'allais pas la lâcher parce que dès que je la lâche, je savais bien qu'elle va encore partir en courant, quoi. Mais je ne la tiendrai pas en laisse, ni non, muselière, non, non. Ni rien pour autant. Non, non. Tant pis. Bon, allez. De toute façon, elle partira toujours, mais elle reviendra toujours. Hein, sauf que là, elle était un peu perdue. Elle était un peu paumée. Hein. Elle était un peu paumée. Hein, je l'avais vue arriver à côté de Foxy. Elle me regardait. Elle me disait ah, « je suis perdue ». C'est vrai, elle me parlait. Et puis elle était vraiment... voilà, quoi. Voilà. Bon, ben. Bon, allez, la journée se finit bien. Ouais. On va se boire une bière. Oh, bon alors, il y a intérêt. Hein. Ouais. Dis donc, c'est longtemps qu'on n'a pas bu de bière. C'est vrai. C'est vrai.
Bon. Allez, on y va. Allez, on va se boire une bière. Ciao. Salut.